Et là, vous allez me dire, OK, c'est beau, on fait ça en classe. Arrive l'examen, qu'est-ce qui se passe? L'élève qui a tapé ses textes tout le long, il arrive à l'examen, puis là, il faut qu'il écrive ça à main. Autre tableau, la place des technologies en situation formelle d'évaluation. Avant de parler d'évaluation, je pense qu'il faut se rappeler un petit peu le concept de compétence. Hein? La définition, vous la connaissez, savoir agir fondé sur la mobilisation et l'utilisation efficace d'un ensemble de ressources. Qu'est-ce qu'on voulait dire par un ensemble de ressources? Moi, quand je pense à un ensemble de ressources, je pense à un vaste ensemble de ressources. Jamais dans ma tête traverse l'idée d'avoir un ensemble limité de ressources. Quelqu'un de compétent, il fait appel à un vaste ensemble de ressources. Je pense aussi à des ressources usuelles, pas des ressources qui sont purement scolaires. Une calculatrice à affichage graphique, personne ne se sert de ça à l'extérieur des écoles. Là, c'est quasiment une machine qui a été inventée pour les écoles. Les ordinateurs étaient trop chers, on va inventer ça. Bon, c'est un petit peu plus compliqué à utiliser qu'un ordi, mais bon, ils vont être capables. Et on continue d'en vendre, ce qui est quand même étonnant. Je pense aussi à un ensemble de ressources modernes. Là, ça fait faire mal au cœur. Des fois, je fais fâcher le monde, c'est pas exprès, hein? C'est pas méchant. Mais un dictionnaire papier, c'est maintenant une ressource obsolète. En fait, il est obsolète quand il est publié, parce que la langue a déjà un petit peu changé. Et puis maintenant, si vous demandez à quelqu'un qui gagne sa vie à écrire, il ne sert pas d'un dictionnaire papier. Il ne sert pas non plus d'un dictionnaire électronique pas branché à Internet. Il sert des outils qui sont directement accessibles sur sa machine. C'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Tout récemment, d'ailleurs, j'étais dans une rencontre, il y a une direction qui dit, en formation générale des adultes, elle dit, je suis obligé de montrer, mes profs sont obligés de montrer aux élèves à chercher dans un dictionnaire. Mais je dis, mais faites pas ça. C'est plus comme ça qu'on cherche. On est capable des fois de dire le mot, puis on le trouve, la définition, encore bien plus aidant, dans le fond. Quand on ne sait pas comment orthographier le mot, le trouver dans un dictionnaire papier, un peu plus difficile. Alors, quand on parle compétences, on parle d'un vaste ensemble de ressources modernes et usuelles, tout ce que vous voyez là, des livres, papier ou pas, des pinceaux en poils ou en pixels, des personnes ici ou ailleurs, incluant tous les outils informatiques. C'est ça le vaste ensemble de ressources modernes et usuelles. Pas retourner dans l'espèce de grande noirceur quand arrive l'examen, les ressources limitées, obsolètes. Et purement scolaire. Mais qu'est-ce qui arriverait? Si on prend justement des questions d'examen, et j'ai regardé les examens de juin 2013, 4e secondaire, secteur des jeunes, et si on regarde, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que les questions tiennent encore la route si on permet la technologie dans ces examens-là? Alors, j'ai regardé, je vous fais des modifications des questions, hein, parce que j'ai signé des papiers, j'ai pas le droit de vous communiquer les questions. Si je le fais, la SQ débarque et m'arrache un poumon, je pense. Alors, première petite question en mathématiques. Les profs de maths, vous n'avez pas le droit de répondre tout de suite. Laissez les gens souffrir un peu. Alors, on parle ici de coefficient de corrélation. Il y a 4 choix de réponse. Si vous n'êtes pas prof de maths, les chances sont que ça ne vous dit rien. Me trompes-tu? Oui. Hein? Ça ne vous dit rien. Fait que moi, j'ai cherché sur ma tablette, puis j'ai trouvé un article sur Wikipédia qui m'a donné la réponse. Je n'ai pas suivi le cours, mais j'ai été capable de trouver la réponse. Qu'est-ce que ça me dit de ce genre de questions-là? Si on tient absolument à conserver ce genre de questions-là, il va falloir faire en sorte, par exemple, que les élèves ne puissent pas tricher. S'ils ont accès à leur technologie, ils vont chatter ça. « Hey, question 1, réponse C », pour ceux qui voulaient savoir. Et ce qu'on peut faire à ce moment-là, si on a permis la technologie à l'examen, c'est aléatoiriser les questions. C'est un mot que j'ai inventé pour parler de la possibilité de dire « C'était une corrélation faible, ben ça peut être une corrélation forte. » Je peux changer les choix de réponse. Je peux changer laquelle est la bonne réponse. Et voilà, Xavier a droit à un examen différent de Yasmine à côté. Peut-être que l'autre option, par exemple, c'est peut-être la meilleure dans un cas comme celui-là, c'est peut-être de supprimer ce genre de questions-là. Hein? Si mon téléphone est capable de me donner la réponse en dedans de quelques secondes, que je suis même capable de dicter la question puis il me trouve la réponse, peut-être que c'est plus le genre de question qui vaille la peine d'être posée. Exemple en histoire, qu'est-ce qui a motivé la construction du chemin de fer transcanadien? Vous savez, ça, c'est une question à choix de réponse invisible, qu'on appelle ça. Il y en a juste une bonne réponse, là. Mais j'ai cherché sur Google, j'ai trouvé 10 200 000 choix de réponse. Ça fait A, B, C, D, E, Z, 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 Z.
C'est ronflant, vous me diriez. Et en fait, ce qu'il faut reconnaître ici, c'est que si l'élève est capable de mobiliser les ressources, de parmi 10 200 000 résultats, de trouver une source crédible qui donne la bonne réponse, pour moi, c'est tout aussi valable que de le retenir par cœur. Parce que c'est bien plus ça dont on a besoin aujourd'hui que quelqu'un qui fait une encyclopédie de lui-même, puis qu'une fois l'examen passé, fait une remise à zéro comme on faisait sur la calculatrice à affichage graphique. Question de science. Là, vous voyez des joules, des watts, des hertz, des volts. Aïe. J'ai cherché. Je suis allé voir, j'ai trouvé une page sur Allo Prof. Mais savez-vous, je regarde la page, puis elle m'aide pas tellement plus. Si je comprends pas le concept au départ, la technologie ne dépanne pas tant que ça. Parce que si c'est encore du chinois pour moi quand je regarde ça, ben je ne serais pas plus aidé en trouvant la référence. La technologie ne m'a pas permis de tricher ici. Mais encore une fois, si on garde ce genre de questions-là, si on les conserve dans nos examens, il va falloir les aléatoiriser. On ne veut pas que Xavier plagie sur Yasmine, mais idéalement, dans le fond, on est mieux d'intégrer ces questions-là dans des tâches plus complexes. Bon, c'est une lutte qu'on a perdue. Peut-être que ça reviendra. Exemple en français. Il y en a qui avaient hâte, hein, que j'arrive au français. Écrire un article qui explore le courage et le tact nécessaires pour exprimer une opinion impopulaire. Moi, je la trouve superbe, cette question-là. Moi, c'est le genre de choses que j'aime en plus. C'est encore une variation, là, mais c'était dans le genre. Moi, je vous disais, je viens de la FGA, mais je travaille en FGA maintenant depuis un certain temps, puis il y a des salles d'examen. Dans les salles d'examen, vous pouvez voir des affiches comme celle-là. Vous n'avez pas le droit d'oreillette, pas le droit de téléphone, pas le droit de caméra. J'ai eu une suggestion, moi, pour changer cette affiche-là. Ça pourrait interdire le 21e siècle. Et puis, je l'ai écrit en comics en MS exprès pour que ça ne fasse pas sérieux. T'sais. Alors, la consigne pour le surveillant, c'est celle-là. C'est que si l'élève est surpris à avoir de la technologie avec lui au moment où il écrit un examen comme ça, c'est ses idées propres. C'est ses idées à lui. S'il y a une caméra vidéo avec lui ou s'il y a une oreillette, il est sorti et il a zéro. La solution, c'est quoi ici? C'est qu'il faut reconnaître qu'écrire à l'ordinateur, c'est pas tricher. On est juste en train d'appliquer quelques règles qu'on connaît. L'ordinateur va nous aider un peu. Il va nous donner un petit peu de feedback qui nous permet d'écrire mieux, mais c'est mobiliser une ressource encore. Puis vous savez, on ne peut pas se cacher derrière la technologie quand on est incompétent à quelque chose, surtout en langue. Ça, c'est une étiquette que j'ai trouvée sur un pantalon dans un grand magasin où des pantalons wrinkle-proof deviennent preuve de rides. Où le stain release devient libération de tâches. No fade, ne fanez-vous non. Puis Cool Effects Wicking, ils ont dit, c'est Cool Effects Wicking. Ils n'ont pas changé celui-là, ils ont dit, ça doit être pareil. On n'est pas capable, la technologie ne nous permet pas de se sauver de notre incompétence. Alors, les objectifs à poursuivre, c'est quoi? Est-ce que c'est de trouver des moyens de verrouiller la technologie pour éviter que les élèves trichent? Moi, là, j'ai rencontré quelqu'un un moment donné qui était tout content. Il dit, on a trouvé une façon de barrer les lecteurs MP3. Les élèves ne peuvent pas faire rewind dessus maintenant. Quand il y a un examen d'écoute, ils ne peuvent pas reculer. Mais qu'est-ce que ça change? Dans une approche par compétence, moi, que l'élève recule, recommence, il n'y aura pas de temps. Il va manquer de temps pour terminer son examen. Il n'aura pas prouvé le niveau de compétence qu'on voulait vérifier. Il ne faut pas célébrer le fait qu'on ait trouvé une façon de contourner une règle qui, en soi, est mauvaise. Trouver un dictionnaire à télécharger sur un iPad puis dire « vous n'aurez pas droit à Internet pendant l'examen » pour avoir cherché ce dictionnaire-là, on est en train de contourner une mauvaise règle. Il faut casser la mauvaise règle. Ce qui veut dire un petit peu changer nos pratiques évaluatives. Permettre aux élèves à besoins particuliers d'avoir la technologie dont ils ont besoin, WordQ ou d'autres technologies comme ça, merveilleux, excellent, objectif incomplet. Il n'y a pas de raison que ce soit qu'eux. Dans la vie, ce n'est pas juste les personnes à besoins particuliers qui ont droit à la technologie. J'y ai droit, vous y avez droit, on s'en sert. Tout le monde s'en sert. Il faut rehausser la cohérence en évaluation, tout comme j'en parlais tantôt par rapport à la pédagogie. Il faut utiliser les outils et laisser les élèves utiliser les outils, pardon, de la même façon qu'on le fait dans le vrai monde et être évalué comme c'est fait dans le vrai monde. Quand j'ai des rencontres de développement de compétences avec mon patron, il me dit pas, Marc-André, non, je veux pas voir tes vidéos, là, je veux, fais-moi des acétates, je veux que tu écrives ton texte à la main, puis ça retourne un dictionnaire papier et une bécherette. Ça n'aurait aucun sens. C'est pas comme ça qu'il vérifie mon niveau de compétence.
Il dit, je veux que tu parles à personne, là. Valide surtout pas tes textes avec d'autres personnes. Mais voyons, c'est ça être compétent. Ben, j'espère, du moins. Je pense aussi que ça nous aiderait à se débarrasser des questions trichables, googlables, téléphone intelligentable. Si le téléphone est capable de répondre, pourquoi je pose la question, tout simplement. Ça, c'est quelque chose, j'ai eu un atelier avec Gervais Sirois il y a de ça 15 ans, quand j'étais à Marguerite Bourgeois, j'accompagnais des profs du primaire dans le temps. Puis il a dit, en éducation, on a tendance à accorder de l'importance à ce qui est facilement mesurable, au lieu de trouver des façons de mesurer facilement ce qui est réellement important. Tu sais, le décompte, c'est classique, là. On les connaît, puis on a une espèce de lutte dans nos pratiques d'évaluation là, qui bascule entre un mode et l'autre. C'est pas simple, mais je pense qu'il faut définitivement, à un moment donné, mettre l'accent sur trouver les façons de mesurer ce qui est réellement important. Puis le plus comique, c'est que dans nos documents d'encadrement, nos documents légaux, l'espace est là. Ça, c'est un extrait de la politique d'évaluation des apprentissages. On vous dit, il faut que les instruments d'évaluation rendent compte de la complexité et de la diversité des apprentissages. Il faut que les instruments de mesure le fassent. Les instruments d'évaluation doivent le faire, comme c'était le cas en classe. L'environnement de l'examen ne devrait pas être tellement différent de l'environnement de la classe. Les ressources devraient être les mêmes. Puis, si vous regardez la loi sur l'instruction publique, vous ne trouverez pas non plus de passage qui vous dit l'examen doit être avec un crayon à mine, puis une tête, puis un papier peut-être, des notes écrites à la main. Même question, en fait, semblable, antithèse dans l'autruche par rapport à l'évaluation. Bien, justement, quand on est en train de considérer que les élèves puissent peut-être amener leur technologie en salle d'examen, bien, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de barrer des affaires puis de rendre ça purement scolaire? Ou que ça ressemble effectivement à ce qu'on fait dans le vrai monde? Mais somme toute, ça ne devrait même pas nous déranger. Parce que moi, quand je veux vérifier, si je veux savoir si quelqu'un est compétent, c'est pas moi qui vais déterminer les ressources qu'il prend. Il va prendre les ressources qui, lui, sont pertinentes. Les vôtres vont être différentes des vôtres, qui vont être différentes des vôtres, qui vont être différentes des miennes. Et c'est tout à fait correct. Comment on va mesurer l'effet de ça? On va se dire, les élèves vont peut-être être moins stressés, mais dans le fond, vous voyez les choix de réponse qui sont là. Moi, je reviens au même, c'est le niveau de réalisme, la plausibilité des tâches. Plus ça va ressembler à des choses qui sont authentiques, plus on gagne. Plus on gagne. Et encore une fois, on risque d'avoir peut-être des meilleurs résultats aux examens s'ils sont cohérents avec ça. Il faut tout simplement, dans le fond, remplir ce fossé-là, il ne faut plus qu'il existe entre l'école et la vie. Ce n'est pas préférable, à mon avis, d'interdire la technologie comme on le fait en ce moment, puis de permettre des questions un peu inutiles, disons. J'aime bien mieux permettre la technologie, puis interdire les questions qui deviennent un peu caduques à cause de la présence de la technologie. Il y a toujours un « oui, mais » dans ces affaires-là. Hein? « Oui, mais » là, il y a des parents qui n'ont pas les moyens d'acheter une tablette ou un ordinateur portable à leur enfant. C'est tout à fait vrai. Et il y a des gens qui me disent, en plus, là, ça va créer des avantages. Là. L'élève qui a la tablette, lui, il va être capable de trouver son mot en 3 secondes dans son dictionnaire électronique ou sur Internet. Il va être capable de comparer des définitions, il va être capable de dire, hey, ça, c'est mieux que celle-là. Puis l'élève qui prend son dictionnaire papier, ben lui, il en a pour 1 minute. C'est pas juste. Et c'est drôle, il y a d'autres choses qui n'étaient pas justes depuis toujours. Il y en a qui ont une mémoire photographique et d'autres non. Ceux qui rentrent à l'examen avec la mémoire photographique, on ne leur fait pas une remise à zéro, on dit « Hey, c'est pas juste. » Toi, tu as une mémoire photographique, puis lui, il n'en a pas. Faut te l'enlever. C'est un non-sens. Hein, quand je parle comme ça, bien, ça se peut-tu que pour différentes personnes, justement, qui ont peut-être moins de mémoire, d'être capable de consulter l'immense mémoire collective qui est Internet, peut-être que c'est correct. Du moment que c'est efficient, c'est ça qui demeure. L'autre option, dans le fond, dans tout ça, les écoles ont un petit peu d'argent pour acheter du matériel à chaque année. Imaginez maintenant qu'elles achètent, je ne sais pas, une trentaine de tablettes comme ça. Des tablettes performantes, mais pas nécessairement le plus haut de gamme qu'il y a sur le marché. Quelque chose de bien, quelque chose de potable. Elles en achètent un certain nombre et elles les prêtent aux élèves à long terme. Les élèves ont le droit d'aller à la maison avec, c'est leur tablette. Puis, il y a une liste d'attente. On crée une liste d'attente. Puis, les élèves qui n'ont pas les moyens puis qui veulent avoir une tablette, bien, quand on sera capable d'en acheter d'autres, ils auront la leur. Peux-tu vous dire qu'il y a des chances que les listes de cadeaux de Noël changent?
Le moment que les gens vont saisir que « Hey, j'ai le droit à ça à l'école, j'ai le droit de ne plus me casser le bécic sur les affaires qui me ruinent des fois, mon estime personnelle et tout ça, puis là, je vais avoir le droit de me servir des ressources comme on le fait dans le monde », ça se peut que des gens s'en dotent. Ça se peut que des gens fassent des sacrifices. Mais on ne souhaite pas ça. Moi, si on est capable d'en acheter à tout le monde, on y va là, ça coûte beaucoup moins cher d'abord que ce que les ordinateurs coûtaient dans le temps. L'autre gros « oui, mais là, Marc-André, là, il y a des profs là, qui ne sont pas tous à l'aise avec ça. Là. Il y a des profs moins habiles que d'autres avec la technologie puis qui risquent d'être un petit peu embêtés par tout ça. Comment ça se fait qu'il y a encore des profs comme ça? Je sais que c'est pas vous, là. Moi, on m'a dit ici, là, c'était toutes les... Alors, prochain tableau. Développement professionnel du personnel enseignant. Qu'est-ce que les TIC viennent faire là-dedans?